Ce bois nommé le Crapa, isolé du bourg, était comme une frontière de deux anciens villages et de lieux agréables pour tout le monde. Petits et grands, sportifs ou simples marcheurs, joueurs, pêcheurs ou même observateurs. Les pêcheurs restant des heures et des heures devant leur canne. Me promener en revoyant les chiens attraper les bâtons de leur maître, me remontait le moral. Les couleurs des feuilles d'automne ainsi que les écureuils donnaient une atmosphère chaleureuse même dans l'air humide et froid de la Bretagne. Je pense aussi à la nostalgie des jeux où les enfants faisaient le cochon pendu et d'autres qui descendent du toboggan ou qui se font pousser en balançoire. Il y avait les hurlements insupportables des biques et des chiens de la ferme d'à côté. Je me rappelle des bosquets de houx éparpillés dans le bois de hêtre qui me faisaient déjà rêver de Noël. Les blocs de granit sur notre chemin avaient pour nous une fonction inconnue. Est-ce que ça servait de décoration ou est-ce que ça servait de banc? Il y a aussi les bancs qui étaient pour moi et pour d'autres une chose très utile. Je me souviens d'un pont que l'on voyait à peine, se soutenant sur un talus. Toutes ces choses faisaient partie de mes souvenirs, je les ressens à chaque fois, ce calme et cette tranquillité du bois de Menroc.